ça et bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices du Paparasta Show. Alors c'est encore un Paparasta Show spécial aujourd'hui car nous sommes à Madagascar. Bonsoir Mamarasta. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Que la paix de l'éternel soit avec vous tous. Alors on est enchanté d'accueillir aujourd'hui un couple d'artistes, de chanteurs, de musiciens, de très très bons musiciens d'ailleurs. C'est un couple qui s'appelle Feoni Ravinala et ils vont nous interpréter une chanson aujourd'hui qui s'appelle Wise. Yes, aïe, alors bon, quand même pour la petite histoire, je vais quand même un peu te raconter l'histoire. Alors Coco et moi, ça fait presque 40 ans qu'on joue la musique, Et donc Coco a participé à pratiquement tous nos enregistrements de studio. Il était avec nous sur scène des milliers de fois. Et voici son épouse Lynn. Bonjour. Merci. Yes, I. Alors bonjour Coco. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Alors, tu vois, après toutes ces épopées musicales, aujourd'hui, le Paparasta Show vient de réaliser un clip pour toi et pour Lynn, un clip exceptionnel. Alors, il est en malgache et c'est parce qu'il est en malgache qu'on a décidé de faire ce petit interview et puis on en profite un petit peu pour être ensemble parce qu'on se connaît tous depuis des années. Et d'ailleurs, les gens me disent souvent « Papa Mamarasta, comment vous faites pour nous trouver toujours des diamants exceptionnels ?» Eh bien, c'est simple, ce sont tout simplement les gens qui nous entourent depuis 30-40 ans. Tout simplement. Aujourd'hui, vous allez découvrir Coco Color Céline tout à fait dans un autre style de musique. On va parler de musique traditionnelle et on reste dans l'esprit du Paparasta Show, ce que j'avais expliqué dans le Paparasta Show spécial Cameroun. Même à travers les musiques traditionnelles, le message passe pour nos nations et pour nos peuples. Alors, de quoi tu nous parles, Lynn, à travers cette chanson ? C'est une chanson inspirée des lois qui sont sorties à Antananarivo, Madagascar, capitale de Madagascar, récemment. Voilà. Ah, alors c'est très intéressant. Ces lois, elles parlent de quoi en fait exactement ? C'est-à-dire, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, mais je vais vous le dire quand même. Des lois, si on peut dire, à la limite du ridicule. Voilà, c'est... Dites-nous un exemple de loi à la limite. Par exemple, on a un chien à la maison, on a un chien et des lois, une loi qui interdit ce chien d'aboyer trop fort. Et là, moi je pensais, bon ben on va la mettre en mode avion ou bien en mode vibreur. Voilà, parce qu'il a droit. S'il n'aboie pas le chien, c'est-à-dire qu'il laisse les brigands entrer calmement dans la maison. Voilà. Ah là, je trouve qu'il donne de la farine ou du blé à moudre aux artistes. Parce que là, c'est Coco Colors. C'est vraiment, quand tu fais des choses comme ça, des lois comme ça, les artistes, automatiquement, ça va les inspirer à faire des chansons et à raconter ça dans le peuple, dans la vie quotidienne. Et est-ce que ta chanson a un petit côté comique en malgache? Est-ce qu'elle a un petit côté comique? Oui, bien sûr, parce qu'il faut inciter quand même les gens et puis inciter à l'écouter cette chanson. Voilà, parce que quand tu dis au chien, chut le chien, chut, n'aboie pas trop fort. Mais c'est bizarre, c'est ridicule. Alors là, je crois que les gens vont mieux comprendre le clip quand ils vont regarder le clip. C'est bien, c'est très bien d'expliquer ça. Mais moi, je voudrais parler avec toi musique, Coco. Dis-moi, au niveau musical, je trouve que quand même, la musique malgache est bien, bien compliquée. Il y a des accords, ça n'arrête pas avec les solos. Lynn aussi fait des trucs extraordinaires parce qu'elle a à côté d'elle un instrument au pied. Elle joue donc de la percussion avec ses pieds et en plus il y a deux guitares qui jouent derrière, donc c'est quand même assez complet. Est-ce que tu retrouves des influences dans la musique, avec la musique que tu as joué avec nous, le reggae, le jazz, le blues, est-ce que tu retrouves des influences comme ça dans la musique traditionnelle, Coco? En fait la musique elle n'a aucune frontière, je crois. Il n'y a que l'amour qui gagne dans tout ça, dans la musique. Exactement.
Et je crois que ta réponse, elle clôture bien cette interview, parce que c'est l'amour qui nous guide. Et on vous avait dit qu'au Paparasta Show, quel que soit le style de musique, les musiques traditionnelles, le reggae, en fait la black music en général, le principal pour nous, pour Papa et Mama Rasta, c'est que le message, il passe, que le peuple puisse écouter nos musiques, se relaxer, se reposer, se détendre, s'évader, s'instruire, bien sûr. Et c'est comme ça que le mouvement et que l'Afrique pourra avancer dans toute sa diversité. Coco Colors, on te remercie avec Lynn d'avoir été nos invités au Papa Rasta Show. Est-ce que vous auriez un mot à rajouter qui vous ferait plaisir par rapport à ce clip? Un petit message à passer. Qu'on a réalisé ensemble. Moi, personnellement, j'ai un petit message, c'est vrai. Parce que je disais au début, que c'est des lois à la limite du ridicule. Effectivement, donc soutirer quand même des sous aux pauvres gens qui ne font que chercher à manger, c'est un peu aberrant. Donc moi, je me sens transpercée, perforée, comme si une épée m'attaquait au fond de mon cœur. Peut-être il faut bien qu'on réfléchisse bien. Et comme dit le malgache, pour nous tous, malgaches, je crois qu'on a perdu ce qu'on appelle la crainte de Andjemand, la crainte du zanar qui est en haut, qui est partout. On n'a plus peur du tout-puissant. Ouais, du tout-puissant. Ça, il faut peut-être restaurer, parce que c'est une belle sagesse, et c'est rentré aussi dans la sagesse malgache. Alors, c'est vraiment des mots qui nous font plaisir. Mama Rasta, tu as un petit mot à nous rajouter derrière cette sagesse malga? C'est une sagesse qu'on est obligé d'acquiescer et de dire qu'on espère que vous allez prendre du temps et que vous allez prendre du plaisir à regarder ce clip, parce que nous, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser. Toute l'équipe du Papa Rasta Show a passé un très très bon moment avec Lynn et Coco, avec Féoni Ravinala. Donc on va vous laisser regarder ce clip qu'on a réalisé. Et voilà, on part un petit peu à Madagascar, on voyage un petit peu dans nos fauteuils tranquilles. Donc le Papa Rasta Show continue sa route. Rana yenu ful tona la sama kuzai tombola tauta yani ne yana kudi yani ati chinto ni ufanda ni fsioni o ful chama firi lutuna maike ani yana kubula tuta fata rana yen miti lalana arwaisi arwaisi nutu mutin soka. Nan
no fu via tu anju i re up tu da ka na na pur ja ma fi di ma ja ye ti ne fe fa sa i ra na i kar ko sa i ke ni ba u ra mas na wana re up ya tra pangata ka sulu na tu na shatu famba tov mis mis re fambulando la mande ni e sa ka ya ne ni a we fa timba na na ka tau ti ampu min tra venta nu me na we Faini, timeri foriarini, si pa wasamreni, fauluze, tena luze, fatindu na mafri mafri zan fuku, fauluze, tena luze, vawita tsakafu. Manavari, any omnitrotora, Fatunga demandu etra, delu etseriari, Arwaze, Manavari, Tetusana Bauta, Valuze, Tenaluzare, Tuita Tsekafu, Valuze, Tenaluzare, Valefuna maf de mafrizan fuku.